Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, c'est bien le 13 septembre 2019. Je suis Edouard, l'aventure Ernest. Molo Scott pour les grands dossiers de l'actualité. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez. Il est assisté par notre collaborateur Abner Jolin Diamnej. En pile information factualité en Haïti. Et normalement, ce sénateur Cap Factualité a, dans plusieurs points, c'est pas l'empile. Côté que c'est sous affaire de vote Premier ministre. Côté que gagne un pile cob qui baille. 5 sénateurs confirmés que. Il a offert 100 000 $ pour voter Premier ministre. Non? Et le sénateur ça a déclaré que bah, ça n'a pas passé comme ça. De côté population, il a dit qu'il y a une possibilité Parlement ne doit pas réunir encore. Il a dit qu'il y a un pile désordre qui a fait population motivée qu'il y a bien pour prendre la rue. Il a dit que son déception, il y a un grand goût, il y a une misère, il n'y a pas qu'à dormir, il n'y a pas qu'à manger. Eh bien, si on arrive dans la tension, ça, eh bien, il n'y a pas accepté des autres, ça, et il n'y a même pas de malpropreté qu'a fait dans le Parlement. Il a dit que ça finit. N'a pas encore une fois signalé à l'auditeur, il y a un pilote gros dossier. Jean nous t'a annoncé 2 jours de ça, et même hier soir, que l'équipe de HPM n'a pas travaillé sur une interview avec le sénateur Guy Philippe. Nous t'a dit à l'auditeur, c'est certain que n'a pas fait le nécessaire. Guy Philippe, nous t'ai parlé comment lié dans la prison, comment que lui-même lui comportait. Et il y a un bagage que nous t'ai fait, et nous t'ai dit non depuis hier, que dans la rencontre que nous avons avec des agents de la CIA, FBI et services secrets des États-Unis d'Amérique, nous t'ai dit que l'important, c'est pour nous-mêmes, peuple haïtien, côté que le pack a allé, que nous prenons aller. Et moi, je dis que nous avons fait le nécessaire. Et dans tant que nous venons là, et qui ça prend le plus belle, c'est que nous, parce que Guy Philippe n'a pas manqué en pile temps, l'aime parler avec des autorités, je pensais que je vais partager avec nous des informations secrètes, oui. Mais ça que m'a dit aujourd'hui, il y a là. Je dis à l'équipe de HPM, nous avons une possibilité pour nous parler avec le sénateur Guy Philippe. Nous prenons. À partir de demain, si Dieu veut, c'est certain que nous pourrons gagner. Rencontre ça, que nous pourrons présenter le full interview à auditeurs et téléspectateurs qui sur HPM, jeudi 13 septembre, là, de rencontre nous avec Guy Philippe. Mais n'a pas dit, ce n'est pas simplement on rencontre, je que m'te dit nous que m'bral des possibilités que pour réaliser une interview avec le président Donald Trump. Moi gagné interview avec le sénateur Guy Philippe. Dans deuxième étape là, m'bral obligé déplacer.
me pral en dedans prison en face à face avec le sénateur Guy Philippe pour que me pral filmer, poser des questions et le ça peuple haïtien pral ouais comment que lié. Mais en attendant moi t'ai une possibilité parler avec elle en exclusivité. Nous prenons pas son extrait de dialogue nous avec elle, mais demain, il y a bien full interview. On a un extrait de rencontre nous avec le sénateur Guy Philippe. Et parfois, quand on prend la rue, il y a un cap marché, il y a des jeunes qui parlent de où. Je ne vais pas demander au killer qu'on va retourner parce que le dossier ça, son dossier qui a planifié là, parce que ou bien pour retourner en Haïti. Est-ce que leur retour en Haïti va continuer à faire politique? Molos God, question que moun a planifié, moun pa ka planifié pour moi pour me tourner dans pays. Haïti c'est pays, m'a tourner dans pays. Et m'a besoin aucun moun aide moi rentrer dans pays. C'est moi qui va rentrer dans pays. Et pas moun qui va aller aider. Côté mi alarme là parce que yo fait mon injustice que ambassade américaine ensemble avec délinquants en Haïti mettez tête yo ensemble, yo crasé parce que yo peur ça me présenter, yo peur pour bagaille ma bataille pour yo, yo peur ça et yo éliminer moi politiquement. Yo pensais que yo éliminer. Mais mon loscot, oui, m'a rentré et oui, m'a fait politique. Le rentré parce que la loi avait moins. Yo pensais que oui, et comme la loi dit, sous bon mandat, ou bien vous êtes condamné. Non, la loi est claire. D'ailleurs, le Sénat de la République prend une résolution qui dit ça que fait sous moyen illégal. Ça que fait contre moyen inconstitutionnel. Donc, bagay sa ou, gen vis de forme, vis de fond, pour la justice haïtienne, bagay sa ou, bah, rien. Donc, et comme si Kaza Abadjam existait. Donc, où qu'on est, c'est où l'île, ça va être pensé, ça va être en vie, font jamais donner pas de dossier sous moi, pour non. M'a dit que m'a retourné et m'a fait politique pire. Et pas y'a mon tout qui a fait politique. Sénateur Guy Philippe, normalement, qu'on y a là, n'a mandat là, parce que tape marché et que ou toujours dehors, mais quand même, comment sentir ou à l'égard, parce que ou en dedans en prison, mais ou très fort moralement, et ou dit que on va retourner quand même dans le pays. Pas de monde qui la fait pas retourner. M'a arrêté à aucun monde, m'a gagné chef, m'a gagné maître. Donc sous mon besoin monde qui est avec la Guy Philippe. Donc côté mien là, chaque jour qui a passé, n'a pas apprendre plus, n'a pas comprendre politique plus pour le nous rentrer pour nous cap aider peuple nous plus et gens ont envie aider. Ou connect oui madame a continuer et bien que nèg yo fait men jio yo propose que Guy Philippe son sénateur élu qui peut prêter serment tout nèg qui est dans le Sénat de la République yo tout nèg qui a fait et politique en Haïti connaît que son sénateur en fonction parce que article 95 constitution clair article 95 condition amendé a dit que ma fonction tout de suite après que vous finissez valider scrutin. Valider le 4 janvier, donc depuis le 4 janvier, moi, son sénateur en fonction. Qui là que États-Unis kidnappé, États-Unis mettait là illégalement, avec complicité, on série de nègres dans la politique, avec complicité, on directeur, on radio en Haïti. Alors, nous avons une chance quand même parler avec le sénateur Guy Philippe, un bon secret. Pédia auditeur et téléspectateur qui peut suivre nous. Nous sur HPM et chaîne Public Média. Dès que nous avons information confirmée, nous disons, mais ça l'a fait, nous présentons au sénateur Guy Philippe. Comment lié? En prison? Est-ce qu'il y a une intention pour empoisonner? Il y a des informations que nous avons gagnées. Restez branchés sur votre chaîne de télévision. HPM et chaîne Public Média. Nombre d'auditeurs, restez branchés demain si tu veux. L'équipe de HPM n'a pas travaillé et demain, nous avons gagné full interview avec le sénateur Guy Philippe. Tout en prison. Mais c'est sûr, rappelez-nous. N'a pas gagné pour nous rentrer côté que lié à on face à face avec notre caméraman qui est présent
de dans prison pour une interview, encore une autre interview en exclusivité. Et il voit un message pour mon pestelio, pour le peuple haïtien, dit Philippe Palampi. Restez branché. Non, Pam, c'est Hydro à l'aventure, Ernest Molloscott. Et sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez. Et puis, il a préparé une analyse, moi-même avec collaborateur Abner Gelin, sur l'interview avec Guy Philippe. Mais rappelez-nous que HPM a travaillé sur une interview avec le président du pays des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Voilà. C'est ça qui est important. On t'a dit depuis 3 jours, rencontre avec les services secrets des États-Unis et autres. Bon. On n'a pas grand rien pour nous prouver, nous. Simplement, nous disons merci, bonsoir.